Enregistrer le match. Impeccable, impeccable. Vite, vite, je vais me régaler. Oh, oh putain, non. Oh, oh là là. Hé, hey, oh. Ouvrez. Qui y a? C'est toujours le pape. Tu sais qui vient caguer ici, lui? Ah, puis de ouf, vite, j'ai mal au ventre, je peux plus. Et moi, qu'est-ce que je fais, hein? Moi, j'en peux plus. Eh ben, tu te démerdes. Ah, oh, putain, t'exagères. Oh, là, là. Ah, oh, putain. Ah. Ah. Oh. Oh, là, là. Oh. Oh. Hey. Oh. Oh. Pido, c'est bon, c'est passé. Tu peux y aller, hein, si tu veux. Non, c'est bon, j'ai plus mal au ventre. Tu as plus mal au ventre? Non, c'est bon. Je m'en regarde le match tranquille. C'était aujourd'hui le match. Hein? Il y a mon feuilleton. Qui feuilleton? Tu es fou, quoi? C'était aujourd'hui, mais j'ai enregistré. Je sais pas à quoi ça sert d'enregistrer le match, hein. Si tu connais le score. Mais attends, je ne connais pas le score. 0-0. Tu vas voir, c'est super ces feuilletons. Ouais, surtout tes feuilletons à toi. Oh François, mon bon François, tu es mon François. Ok, filme bidon, ça. Chut. Tous les jours que Dieu fait, je te regarde passer devant ma fenêtre. Tous les jours, je te vois prendre ton courrier. Tous les jours, je te vois promener ton chien. Mais attends, l'espionne pas un peu, elle, non? Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu m'entends? Et on n'entend qu'à toi. Pourquoi tu ne me regardes plus? Pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu ne m'écoutes plus? Parce que tu es une grosse croix. Non, je ne suis pas une grosse croix. Pierre! Pierre, écoute-moi! Comment Pierre? Il s'appelle pas François? Oui, François, je me trompe. Écoute-moi, François. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce que tu es gaufre. Hein. Parce que j'en aime une autre et on peut rien y faire. Voilà, alors maintenant tu laisses tranquille. C'est bon, ça va, on regarde pas avec toi. Eh, après, qu'est-ce que tu m'aimes, ça? On change, oh. Oh putain, c'est Scream. Film d'horreur. La partie n'est pas terminée. Dernière question. La dernière. Tu es prête? Pitié, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Tu peux pas, c'est un fou. Tu réponds. À ton avis, je me trouve derrière quelle porte? Quoi? La porte. La maison a deux entrées, celle de devant et celle du patio. Devine à laquelle des deux je t'attends. Le patio. L'entrée. Non, c'est le patio. C'est le patio. Mais écoute, je refuse de jouer avec vous, je veux pas. Tu es obligé de jouer, tu es obligé. Décide-toi. Entrée. Un prix couteau. Tais-toi. Ça finit mal, ça finit mal. Oh, ne crie pas, y a rien là. Milou, il est là. Oh, tu le vois qu'il est là derrière. Mais il ne verra pas, cette conne. Oh, il est là. Tu l'es là. Voilà. Tu te vas aller avec sa vie. Change-toi! Où quitte-t-il? Scape par là! Scape par là, on fait diversion! Dépêche-toi! Vite! C'est bon! Oh putain! Ne me mets plus ça comme film, tu es fou! Oh putain! Après, je fais cauchemar, je rêve de ma mère et tout, moi! Oh là là!
Oh, oh, j'ai cru qu'il attrapait pas. Quoi? J'ai cru qu'il attrapait pas, mais il attrape. Lucien. Oh! Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ça! C'est pas... Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un grain de beauté. C'est un grain de merde ça! Non. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que... Mais que... Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce que c'est ce schtroumpf? Mon Dieu! Mais tout se comprend dans mon esprit. Tu sais quoi? On croit que c'est un canapé, mais en fait c'est un animal. Tu vois, il y avait écrit en vachette, mais c'est une vachette en fait. Tu sais. Oh, mais c'est normal, on ne le sort jamais. C'est normal qu'il fasse ici aussi. Mais attends, mais tu me prends pour un con, tu fais croire que c'est un canapé qui a cagué. C'est une... Oh, gentil. Oh, c'est pas... Je le gronde. Ouais. Oh, c'est pas bien, Duff, sir. Oh. Un malade, ça... celui-là. Alors... Hein? Pour vraiment prendre compte, tu me prends, hein? Hein? Tu iras le promener, toi, tous les jours, alors. Faudra lui acheter une laisse. Ouais, bien sûr. Et on va le tatouer aussi, hein? Alors, portage sur les animaux. C'est bien, ça, hein? Le troupeau du gazelle bleu est sous la dominance d'un mâle dont le cri ne laisse planer aucun doute sur ses intentions. Alors que le soleil se lève sur la savane, une gazelle, jeune et jolie, comme le magazine, s'approche du bord de l'eau et se la joue un peu. Afin d'attirer l'attention du mâle, elle agite mamelles et popotins. Ah non, ça c'est de l'eau, bien vu. Le mâle l'a repéré et s'approche. Pendant ce temps, le bébé gazelle, appelé Gazou Gazou, s'approche du bord de l'eau pendant que sa mère se désaltère. Comment il est marqué ? C'est beau, hein ? C'est beau. Un alligator, pas étranger à l'affaire, insiste à la scène. C'en est fini. Le bébé gazelle est mort. Et puis, bien mort. Et ça sert à rien de pleurer, je vous dis qu'il est mort. C'est la loi de la jungle. La maman gazelle, appelée aussi gazinière, assiste impuissante à la scène atroce et pleure pendant que le mâle la trombine en lui chuchotant des mots doux. Les oiseaux, blabla, blablabla, 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 blablabla. Cinéma, cinéma, nanana. Figlia de Miguel. Oh, ti piace, hein? Mi piace. Senti che? Senti. La 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 la. Ti piace la coppa, che? Che è che ti piace la coppa? Mi piace la coppa. Figlia de Miguel. Figlia de Miguel, sti cosciutti qui, eh? Un c'è mica u. No, ma mica quello. Ah, come mica quello? No, mica un cugo. Di quello fa, che? Ari a pupa di va. No. E a pupa di. Chi ta giù sta pupa di va. La va la va. Che ta di questa mani di giami. No, 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 no. Continue, già, yeah.
Hai bailao a dire, hai capito? Hai! Voilà donc, c'était un extrait du film porno, le premier film porno en langue corse, qui traduit en français s'intitule « On est dans la merde » et ce n'est pas un hasard car ce film traite de l'homosexualité. Nous accueillons ce soir Sylvain, qui a vécu quelque chose d'assez étonnant. Sylvain, racontez-nous. Je vivais avec un ami, on avait pris un appart tous les deux et on était toujours ensemble. Et un soir, il m'avoua qu'il était homosexuel et qu'il m'aimait. Tu te racontes, toi ? Bon, d'accord, mais comment ça s'est passé, tout ça ? Ben, voilà, alors, mon ami était plutôt du genre un peu dans son monde, un peu passif, un peu faible, pas vraiment beau, plutôt moche, avec une peau blanche, de grandes oreilles. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Rien, rien. Tout le contraire de moi, quoi. Moi, je suis plutôt dynamique... fort, musclé, teint basané, plutôt moche aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien. Un soir, on était assis tous les deux sur le divan, côte à côte, on regardait la télé. Je voyais qu'il était nerveux, qu'il avait quelque chose à me dire. Il ne tenait pas en place sur le divan. On ne tient pas en place sur ce divan, hein, tu as vu ? Peu, hein ? Alors, il s'est levé et il m'a proposé à boire. Tu veux boire quelque chose ? Il me parlait de la cuisine, et il me parlait de tout et de rien. Faudra changer l'ampoule de la salle de bain, hein ? Il a fait beau aujourd'hui, tu as vu ? Oh là là, je parle de tout et de rien. Quand il est revenu, il m'a dit qu'il fallait qu'il me parle, mais il savait pas comment s'y prendre. Et à chaque fois qu'il commençait à parler, il finissait pas ses phrases. Ah, il faut... Tu sais... Comment... En fait, il hésitait beaucoup. J'hésite, tu vois. Je me demande si je vais mettre deux sucres ou un. J'en mets toujours deux, tu sais. Puis là, il a franchi le pas. Arrête de voir ça. Et il m'a caressé les cheveux. Tu as une araignée là. Moi je sais, c'est moi que je l'ai mise. Et puis il m'a dit écoute-moi, ça ne peut plus durer. Il faut qu'on en parle. Je suis un homosexuel et je t'aime. Écoute, Pido, ça peut plus durer, hein. Il faut qu'on en parle. Non, hein. Non, on parle de rien. Je veux rien savoir. Oui, il faut qu'on en parle. T'es tennis, t'as la salle de bain, ça pue le fromage mort. Et alors, comment avez-vous réagi? D'abord, j'ai eu un rejet. Mais autre que rejet. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit. Et ça t'a ouvert autre que l'esprit, oui. En fait, j'ai craqué. Voilà, t'as maintenant, craqué. On sort ensemble, on s'aime. Quoi ? Alors, écoute-moi. Écoute-moi bien. Moi, je craquerai pas, moi. À moi, ne me touche pas. Tu peux regarder tous les films que tu veux, ne me touche pas. Je te dis de suite. Tu vois pas que tu es blanc. Il est bizarre, Pido. Je me demande s'il serait pas un peu... pédé.